Yo les barbeurs! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite transformation, alors from Brococo to Model. Et ça vous allez le voir petit à petit dans la vidéo. Et j'interviendrai en voice-over pour vous expliquer certains petits trucs. Mais ne vous inquiétez pas, je vous balance quelques petits titres informatifs. Les clips que j'utilise ouverts ou fermés. Donc ça s'appelle des sabots, des clippers, enfin des comme vous voulez. Et puis aussi on termine avec dans la description toutes les machines que j'utilise. Alors là on commence avec la ligne directrice avec ma T-Outliner qui est totalement custom, fait maison mon ami. Donc j'ai retiré le cache en plastique pour gagner en légèreté et en précision. Donc à la base, en la faisant comme ça, c'est uniquement pour faire de la précision. Voilà, pour nettoyer une zone, c'est pas le top. Donc là je passe sur ça, sur ma Slimline Pro Lee et on nettoie cette zone. Première étape terminée, on a fait la ligne directrice, on a nettoyé la zone. Maintenant on va attaquer le dégradé de 0, donc peau à blanc, à 0,1. J'utilise ma petite Slimline Pro pour justement fondre donc ce petit liseré que j'ai créé en faisant du 0 avec mon rasoir. Donc ma shaver de chez Wall et le 0,1 avec ma Endis. Utilisez l'extrémité de la tête de votre tondeuse comme ceci. Donc là je l'avais déjà passé le dégradé hein. Il fallait que j'utilise ma main gauche pour bien étirer la peau. Donc là je vous montrais avec la tondeuse éteinte. Et voilà, faites comme ceci tout simplement. Et pensez aussi à relever la tête de votre tondeuse quand vous passez cette dernière tout simplement, que ce soit avec ou sans sabot. Alors maintenant le dégradé est terminé, maintenant on a un gros travail à faire donc en haut et aussi tout ce travail de transition que je vais vous expliquer. Donc là je plaçais les petits contours, faut savoir que j'ai fait exprès de laisser de la longueur au niveau des contours pour qu'ils soient bien accentués. Faut savoir que les cheveux européens ne sont pas comme les cheveux africains. En fait, les cheveux africains, on peut tout enlever hein, et les contours seront visibles. Sur les cheveux européens, malheureusement, si on laisse pas un peu de matière, les cheveux sont tellement clairs qu'on ne verra pas les contours. Donc là, grâce à cette technique, vous voyez, j'ai pu accentuer les contours au niveau des tempes. Donc là, nous allons attaquer la phase de transition, la phase de fusion pour combiner le fade et la coupe d'en haut. Toutes ces techniques s'appliquent sur soi-même hein, quand on a envie de se faire la coupe solo. Donc moi justement c'est ce que je vais vous montrer petit à petit là. Je vous ai dit sur Instagram que j'étais en train de laisser pousser mes cheveux pour justement vous faire une belle démonstration de ce qu'on peut faire en haut soi-même en mode self-cut. Donc là c'est parti pour le ciseau, on envoie le paquet, on essaie de travailler le skill et c'est parti.
Et voici une technique ancestrale pour désépaissir les cheveux. Vous prenez un peigne, votre chavette et vous brossez, peignez ce que vous voulez, tout simplement la zone comme je suis en train de faire. Donc ça va retirer certains cheveux sans pour autant tous les couper. Et ça va aussi travailler sur les pointes de cheveux. Donc c'est une très bonne technique que moi j'aime bien faire. Voilà, il y a beaucoup de techniques hein, pour désépaissir, celle-là je l'aime bien. Et je vous la balance là comme ça. Et puis c'est tout, ça marche facilement, ça se fait à la maison, ça se met en place tranquillement et vous pouvez le faire sur vous-même. La phase de transition est terminée. Maintenant, il faut encore travailler un petit peu le haut. Je vais retirer de la longueur et je vais travailler sur la mèche. Et donc là, cette phase de transition est terminée. C'est un dégradé pas trop fondu. Je voulais quand même garder un côté bien blanc et un côté bien marron. Et voici le résultat final. Petit dégradé. On lui a gardé le volume en haut. On lui a fait un petit délire à la demande. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse en description mon code promo pour tout mon matos barbeur, toutes ces tondeuses. Et moi, je vous dis, passez une bonne semaine des barbeurs.